J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter un site internet dans la barre favori du moteur de recherche Safari, donc l'ajouter rapidement et simplement. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire et comment ajouter ce site internet rapidement et simplement dans vos favoris. Donc en fait, ce tuto, il va vous permettre d'ajouter, comme je vous l'ai dit, votre site internet préféré en favori, ce qui vous permettra bien évidemment d'y accéder plus rapidement et plus simplement que si vous le tapiez tout le temps sur la barre de recherche. Donc vous pouvez voir à l'écran d'accueil que moi j'en ai plein en favoris, Apple, YouTube, Netflix, et moi je vais vous expliquer comment faire pour que vous ayez la même chose. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment faire. Donc premièrement, je vous invite à ouvrir le moteur de recherche Safari sur votre Mac, et ce tuto aussi marche également sur iPhone et iPad. Voilà, tant que vous êtes sur Safari, il ne marchera pas sur Google, c'est impérativement sur Safari. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur le moteur de recherche Safari, je vous invite à cliquer dans la barre de recherche le nom de votre site internet. Moi par exemple, je vais cliquer Google. Vous tapez le site internet de votre choix, voilà. Vous allez cliquer sur le site internet. Donc moi je vais cliquer sur Google juste ici. Je clique. Vous attendez bien évidemment que ça charge. Une fois que la page est chargée, vous ne touchez plus à rien. Et vous pouvez voir qu'en haut à droite, il y a deux boutons. Et le bouton qui va nous intéresser, c'est le bouton qui représente un carré avec une flèche vers le haut, comme vous pouvez le voir à l'aide de la souris. Voilà. Vous cliquez dessus et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs onglets qui apparaîtront, ajouter à la liste de lecture, ajouter un signé, etc. Pour pouvoir mettre ce site internet en favori sur Safari, vous allez cliquer sur Ajouter à un signé, juste ici. Voilà, et vous pouvez voir que une nouvelle page s'affiche avec écrit Ajouter cette page à, et il y a directement Favori qui est sélectionné. Et ensuite, vous pouvez rentrer le nom du site internet. Donc Safari va vous rentrer directement le nom du site, mais vous pouvez le modifier. Voilà, donc moi je ne souhaite pas modifier ce nom. Si vous, par exemple, vous souhaitez lui donner un nouveau nom, vous pouvez. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Ajouter, juste ici en bleu. Voilà, et vous pouvez voir qu'en ouvrant une nouvelle page, juste ici, on a le site internet qui s'est ajouté en favori. Voilà, maintenant vous savez comment ajouter un site internet en favori sur le moteur de recherche Safari. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera vraiment beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire savoir comment ajouter un site internet en favori sur le moteur de recherche Safari. C'était Benjor, à bientôt.